Zoo en hiver est un manga de Jiro Taniguchi qui date de 2008. Il est paru en grand format chez Casterman et il fait un peu plus de 200 pages. L'histoire va se dérouler dans les années 60, tout d'abord à Kyoto, puis plus tard à Tokyo. En effet, l'histoire débute en 1966 à Kyoto et nous allons suivre la vie au jour le jour d'un jeune homme, le jeune Hamaguchi, que l'on devine assez rapidement être en réalité une représentation de Jiro Taniguchi, l'auteur lui-même. Et ce jeune Hamaguchi travaille chez un fabricant de textiles. Mais, lassé de ne pouvoir y assouvir sa passion pour le dessin, il va démissionner et partir pour Tokyo. Il va y découvrir, en même temps qu'un studio de manga qui lui donne sa chance, la vie nocturne et les milieux artistiques de la capitale. Mais le travail d'assistant mangaka est éreintant et Hamaguchi comprend vite qu'on y trouve difficilement le temps et l'énergie pour se consacrer à des œuvres personnelles. Découvertes, apprentissages et parfois désillusions seront donc au programme de cette œuvre. Au travers du personnage de Hamaguchi, il est assez fascinant de voir à quel point un auteur qui plus tard accédera au succès qu'on lui connaît à présent a pu, dans sa jeunesse, être assailli par les doutes et, on le verra ici dans le manga à plusieurs reprises, aura failli finalement abandonner sa carrière avant même qu'elle ne décolle. Après un bref passage à Kyoto qui va servir d'introduction au manga, tout le reste de l'œuvre va se situer à Tokyo et on va suivre les premiers mois, voire les premières années de la vie de Hamaguchi alors qu'il est assistant dans un studio de manga. Au-delà de l'histoire personnelle du personnage et donc de la jeunesse de Jiro Taniguchi, il est aussi très intéressant de constater ou d'être le témoin de tous les rouages de l'industrie du manga au Japon, puisqu'une grande partie de l'œuvre va mettre en scène le travail quotidien du personnage principal qui donc est assistant, mais également des autres assistants, des maisons d'édition, des mangaka aguerris, etc. Mais évidemment, qui dit manga de Jiro Taniguchi dit manga très humain et très touchant par endroits. En effet, le manga ne se focalise pas uniquement sur le travail du jeune homme, sur son travail d'assistant mangaka, mais également sur tous ses doutes concernant son avenir, puisqu'il est alors très très jeune, il n'a pas encore 20 ans, mais également sur sa découverte de la vie citadine, de la vie nocturne, de la vie dans les bars. Au travers de son travail d'assistant mangaka, il va assez rapidement rencontrer des personnages hauts en couleur, et le contraste entre ce jeune homme toujours innocent et la faune tokyoïte est souvent amusant. Concernant le dessin, on a ici affaire à un Jiro Taniguchi aguerri, on est donc plutôt sur sa fin de carrière entre guillemets avant son malheureux décès. On a donc ici des traits vraiment maîtrisés, propres, fins, extrêmement clairs, très lisibles. Visuellement, chaque personnage a son identité forte et marquée, ses traits bien identifiables. Jiro Taniguchi était passé maître dans l'art de pouvoir exprimer des sentiments sans nécessairement avoir besoin de s'appuyer sur du texte. Et ici, une fois de plus, on a cette démonstration d'être capable de capter les sentiments, les expressions des personnages en se basant uniquement sur leur visage, sur leur faciès. Joie, tristesse, doute, colère. Nous avons ici un panel des émotions plus que varié. Au-delà des personnages et de leurs émotions, Jiro Taniguchi nous offre également une peinture de la vie urbaine au travers des bâtiments, au travers des lieux, des parcs, des discothèques, des restaurants, des bars. Tout cela dans le contexte des années 60, ce qui donne à l'ensemble un petit cachet rétro qui n'est pas des plus déplaisants. Humain, touchant, intelligent, parfois introspectif, parfois réflexif, parfois drôle, parfois triste, un zoo en hiver nous offre une plongée autobiographique à peine masquée d'un auteur qui n'avait plus rien à prouver. Un voyage dans le temps passionnant et fascinant qui nous donne un aperçu de ce que fut la naissance d'un futur maître du manga.
Après l'autobiographie de jeunesse, on va passer à quelque chose d'un peu différent, mais on reste toujours dans la thématique de la biographie et de l'autobiographie. Ainsi, le manga suivant s'intitule « Te dire merci » de Yukari Takinami. Il fait à peu près 200 pages, il est en grand volume, il est paru cette année, en 2019, chez Rue de l'Échiquier. Derrière cette couverture qui, d'emblée, nous propose un dessin qui peut paraître enfantin, va, en vérité, se cacher une histoire assez sombre, assez sérieuse. En effet, ce manga autobiographique va nous raconter les derniers mois de la vie de la mère de l'auteur. Celle-ci fut en effet atteinte d'un cancer incurable qui fut découvert malheureusement très tard. Et donc l'auteur va nous raconter comment cette découverte va chambouler sa vie, comment cela va mettre en exergue la relation pas toujours simple avec sa mère et comment cela va également affecter les relations de manière plus élargie au sein de sa famille, notamment avec sa sœur. Lorsqu'on entend parler de cancer, de fin de vie, de mère qui va mourir, on peut très rapidement s'imaginer une œuvre très sombre, très sérieuse et qui va nous donner le cafard. Eh bien, en réalité, il n'en est rien. Et c'est là un tour de force de cette œuvre. En effet, le livre arrive à traiter d'un sujet extrêmement sérieux, triste et qui peut facilement tomber dans le pathos, mais l'œuvre en parle avec un humour omniprésent, un humour de tous les instants, et avec également, mais on en reparlera un petit peu plus tard, un dessin qui le sert très bien. Assurément, l'auteur utilise donc ici un humour très efficace et omniprésent pour désamorcer toute cette histoire qui pourrait être autrement très sérieuse et très sombre. Et à la lecture, on est donc fasciné par cette capacité qu'a l'auteur de nous faire rire, de nous faire sourire avec un sujet aussi peu risible, bien sûr, à la base. Au-delà de la difficulté de la situation en elle-même, c'est-à-dire du fait de devoir faire face au cancer de cette mère, l'auteur nous montre également que cette mère a une personnalité extrêmement forte, ce qui rajoute à la difficulté des relations entre les différents membres de la famille. Humour donc, mais pas seulement. En effet, au fil des chapitres, au fil des pages, et alors que l'instant fatidique se rapproche de plus en plus, l'auteur semble nous poser la question de savoir comment dire adieu à un proche que l'on sait mourant, quand doit-on lui dire, y a-t-il un moment opportun, mais également et surtout, comment dire merci à cette personne. Et un autre tour de force de cette œuvre, de ce manga, c'est le fait que l'auteur évite avec une facilité déconcertante l'écueil du pathos. Ainsi, au fil des pages, on vivra les coulisses de la maladie, les coulisses des visites chez le médecin, les coulisses des chambres d'hôpital. Mais tous ces passages qui pourraient prêter à des moments très sombres sont à chaque fois désamorcés, contrebalancés par un humour très efficace. Comme dit précédemment, ce désamorçage du pathos est soutenu et porté par un dessin qui rend cet humour très vivant. Exagération des traits des visages, gags à répétition, autodérision de l'auteur et peinture cocasse des membres de sa famille, y compris de sa mère. Mère d'ailleurs qui ne sera pas dépeinte de la meilleure des lumières, contrairement à ce que l'on pourrait croire, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Car en réalité, l'auteur ne semble pas hésiter à nous montrer que sa mère était en réalité une personne parfois dure, parfois inflexible, et à qui, somme toute, il était assez difficile de parler, d'autant plus lorsqu'on souhaitait lui parler de sentiments, de choses profondes. On verra donc, au fil des pages, comment l'auteur, sa sœur et le reste de sa famille se plient littéralement en quatre pour essayer d'accompagner leur mère jusqu'au bout et pour lui offrir une fin des plus dignes possibles. Humour noir, autodérision, empathie, sensibilité, humanisme, intelligence et subtilité, voici quelques ingrédients qui seront au rendez-vous de votre découverte et de votre lecture de Te dire merci, un manga vraiment unique, aussi bien dans sa thématique que dans le traitement de celle-ci. Après le drame de la maladie, passons à quelque chose de radicalement différent. Intéressons-nous en effet à Chronique new-yorkaise, manga de Akino Kondo. Il existe pour l'instant deux volumes et ils sont parus chez le Lézard Noir.
chronique new-yorkaise, c'est l'autobiographie de l'auteur qui va nous raconter, au cours de 70 chapitres, des petits moments de vie, des anecdotes qui lui sont arrivées alors qu'elle vit aux États-Unis, à New York, étant elle-même japonaise, bien sûr. Cela va donc donner lieu à beaucoup de petites histoires cocasses, enveloppées d'un humour pince sans rire. Le découpage narratif de ce manga est assez inhabituel puisque, nous venons de le dire, il est composé de 70 chapitres, chaque chapitre n'étant composé que de 2 pages. Ces histoires très brèves mettent en scène des choses qui sont arrivées à l'auteur tandis qu'elle vivait à New York, des choses par exemple comme les différences linguistiques entre le japonais et l'anglais, la difficulté pour elle de trouver des ingrédients spécifiques pour pouvoir préparer des plats japonais à New York, la découverte de la tradition de Noël, sa difficulté à maîtriser la langue de Shakespeare, et tout simplement, dans l'ensemble, la découverte de la culture américaine et du style de vie new-yorkais. Chaque histoire étant très courte, cela permet de pouvoir déguster le manga étape par étape très facilement. L'humour est ici omniprésent, car l'auteur s'amuse beaucoup de sa propre découverte de cette culture étrangère, mais se moquera également parfois de sa propre culture, de la culture japonaise, puisque le fait de vivre à l'étranger, au fil du temps, lui offre un regard différent sur son propre pays et sur les Japonais. À la lecture de ce manga, on a en fait l'impression de lire le journal intime de l'auteur. Comme si chaque soir, elle rentrait chez elle et elle écrivait quelques lignes dans son journal qu'elle mettra plus tard en scène en forme de manga, manga que nous avons à présent entre les mains. L'auteur observe beaucoup, s'interroge et s'amuse de ce choc des cultures américano-japonais. Et tous les lecteurs qui, à un moment donné dans leur vie, ont vécu à l'étranger, devraient facilement pouvoir se reconnaître dans cet ouvrage. Pour ce qui est du découpage visuel, on peut admirer le tour de force de l'auteur de réussir à condenser chaque histoire en seulement 2 pages. Visuellement, le manga va nous proposer un découpage en alternance, c'est-à-dire une case de dessin avec ses bulles de dialogue, une case avec de la narration pure, le plus souvent les pensées de l'auteur. Et il est à noter que malgré le fait que chaque histoire n'est composée que de 2 pages, le manga en réalité est plutôt verbeux. Ainsi, malgré le fait que le manga ne comporte que environ 160 pages, il faudra un certain temps pour en venir à bout. Manga très drôle, observateur et qui s'amuse du choc des cultures, Chronique new-yorkaise fera sourire le lecteur à maintes reprises, mais également jettera une lumière très intéressante sur la culture japonaise, par exemple sur la cuisine de ce pays. En 2 mots, Chronique new-yorkaise est une autobiographie très originale, amusante, fraîche et qui sans aucun doute sort des sentiers battus. Après ces tribulations américano-japonaises, penchons-nous sur l'autobiographie littéralement incroyable et surréaliste d'Hideo Azuma avec son journal d'une disparition, manga en un seul volume, paru chez Kana. Auteur de manga dont la carrière a commencé dans les années 70, Azuma fut victime de son succès. En effet, ses mangas étaient populaires, mais ils croulaient sous ses différentes séries publiées dans divers magazines. Un beau jour de 1989, il dit à sa femme qu'il allait acheter des cigarettes et ne revint pas au domicile conjugal. Du jour au lendemain, il laissa tout tomber, son travail comme sa femme, et devint véritablement SDF. Il vivait assis dans la forêt et passait ses nuits à fouiller les poubelles du quartier voisin et les arrière-cours de restaurants pour se nourrir. Ce livre autobiographique va raconter de manière très minutieuse, mais non sans humour, comment il a vécu cette période d'errance. Le manga est en fait divisé en 4 parties et pas forcément de manière toujours chronologique. La première raconte l'histoire de sa disparition en 1989, la deuxième sa seconde fugue en 1992. Il deviendra notamment employé de chantier pour une compagnie de gaz. La troisième est un flashback sur ses débuts d'auteur, et enfin, on finira avec son hospitalisation pour alcoolisme. Ce bref résumé pourrait donner l'impression que l'on a affaire à un livre très sombre, mais en réalité, le ton est plutôt léger car l'auteur est capable d'injecter beaucoup d'humour dans ses mésaventures au travers de
son dessin tout en rondeur, ayant un côté très cartoon, avec ses personnages aux physiques assez caricaturaux. Par exemple, l'auteur s'affiche comme un petit bonhomme un peu rondouillard, au regard à moitié endormi. Cela permet d'alléger le ton et de proposer une distanciation par rapport à la réalité des événements qui serait autrement très déprimante. En effet, l'auteur n'a pas peur de dire la vérité, dans ses moindres détails, grâce à une présentation franche et honnête, ce qui, paradoxalement, pourra faire sourire le lecteur, non pas pour se moquer de lui, mais plutôt dans un sentiment d'incrédulité par rapport à ce qui lui arrive. D'ailleurs, le fait que sa situation soit le résultat d'un choix de vie plutôt que le résultat de circonstances malheureuses favorisera le côté humoristique de certaines scènes. Le tout a également un petit côté documentaire et il est très intéressant de voir quelles nouvelles idées vont voir le jour chez notre auteur SDF quand il s'agit de trouver de la nourriture, des cigarettes et bien sûr son précieux saké. S'il ne trouve pas quelques restes de nourriture ou une couverture, il passera la nuit affamé et dans le froid. L'un des attraits majeurs de cette œuvre réside dans le parcours de cet homme et des décisions radicales qu'il a prises. On peut comprendre le poids du stress de l'industrie de la BD nippone qui l'ont poussé à ses extrêmes. Ainsi, nous ne pouvons pas vraiment lui reprocher d'avoir voulu partir. Il est alors tentant de sympathiser avec sa volonté d'échapper à tout cela, même si, finalement, sa démarche fut très maladroite. Journal d'une disparition est un manga unique qui se dévore sans en laisser une miette et au final propose une lecture souvent drôle. On aura la sensation d'avoir établi un lien avec un homme que l'on n'aurait autrement jamais rencontré, à qui l'on n'aurait jamais parlé. Concluons cette sélection de mangas autobiographiques avec Beep Beep Boy, un manga en 3 tomes de Rensuke Oshikiri paru chez Omake, et c'est un manga qui date de 2009 au Japon. Dans ce manga, l'auteur va nous raconter comment son obsession, comment sa passion, sa fascination pour le monde des jeux vidéo a débuté, et il va ainsi nous inviter à remonter le temps et à découvrir, voire à redécouvrir ou simplement se remémorer pour les passionnés de jeux vidéo, de l'impact de l'arrivée des jeux vidéo dans les maisons japonaises dans les années 80 et un peu plus tard 90 avec des consoles notamment comme la Famicom, connue bien sûr sous le nom de NES dans nos contrées. Dans ce manga, l'auteur va donc se dépeindre lorsqu'il était à l'école primaire, lorsqu'il était collégien, lycéen et même plus tard jeune adulte. Il va nous montrer comment au cours de ces décennies, donc des années 80, 90 et 2000, comment il est tombé dans l'univers des jeux vidéo et quel impact cela a eu sur sa vie, sur le développement de sa personnalité et des relations avec les autres. Découverte de la Famicom, découverte de la PC Engine, découverte de la Game Boy, sans oublier les salles d'arcade. Au travers de ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, le manga nous propose un panel très riche et surtout nostalgique de l'histoire du jeu vidéo. Toutes les consoles ici représentées ainsi que les jeux existent bel et bien, et donc pour les connaisseurs de jeux vidéo, pour les fans de jeux vidéo, ce manga représente un peu une sorte de Madeleine de Proust. Pour les lecteurs qui auraient grandi dans les années 80 et 90 et qui sont également fans de jeux vidéo, il ne sera ainsi pas difficile de se sentir très proche de notre auteur et d'adhérer particulièrement au sentiment de nostalgie qui émane de l'œuvre. Il est également intéressant de noter que puisque l'histoire se passe dans les années 80 puis 90, le manga sert d'une certaine manière de témoin de l'évolution des jeux vidéo, ainsi que de leur consommation et de la place qu'ils ont pris dans la culture populaire. Le manga est bien sûr truffé de références concernant les jeux et les consoles des époques diverses, ce qui rappellera bon nombre de souvenirs aux joueurs qui ont connu toutes ces années. Mais il ne faudrait pas croire que le manga se contente d'être un panel de l'histoire des jeux vidéo, et l'auteur ne fait pas non plus nécessairement l'apologie de cette passion. Ainsi, il nous montrera très souvent l'impact négatif que sa passion a pu avoir sur sa vie. Relation difficile avec sa mère, relation difficile avec la plupart des écoliers, des collégiens et des lycéens, sentiment d'être un paria par rapport à ses camarades, ne s'intéressant pas aux études,
ni au sport, ni aux activités extrascolaires. En effet, de nos jours, les jeux vidéo sont devenus un passe-temps, un hobby, une passion acceptée et comprise par la majorité. Mais dans les années 80, voire 90, les jeux vidéo étaient encore une nouveauté et beaucoup de gens voyaient cela d'un mauvais œil. Ainsi, il ne faudrait pas voir ce manga comme une lettre d'amour aveugle, naïve et simpliste pour les jeux vidéo, car l'auteur sait mettre de l'eau dans son vin et n'hésitera pas à se moquer de lui-même à maintes reprises. Par conséquent, il arrive à éviter l'écueil de tomber à la fois dans la diabolisation des jeux vidéo et à la fois dans une dépiction angélique de ceux-ci. Et il y arrive notamment grâce à l'utilisation d'un humour omniprésent. L'auteur ne se dépeint pas comme une victime, et avec son regard d'adulte, avec son recul, il comprend pourquoi il était considéré comme un paria pour beaucoup, comme un otaku, et s'en amusera sans vergogne. Un manga qui devrait rappeler beaucoup de souvenirs aux gamers d'aujourd'hui qui ont plus de 30 ans et qui pourrait presque servir de livre d'histoire pour les gamers plus jeunes curieux de découvrir l'histoire du jeu vidéo. Humour, autodérision, nostalgie et culture pop, voici les ingrédients de Beep Beep Boy. Et bien voilà, c'était donc ma sélection de 5 mangas autobiographiques, 5 mangas de 5 auteurs différents avec des styles différents, aussi bien visuels que narratifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir toutes ces œuvres. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous trouverez des liens dans la description de la vidéo, des liens pour Amazon et pour la Fnac, et que si vous passez par ces liens pour acheter vos mangas, eh bien c'est un moyen passif de soutenir la chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir répondu présent pour cette vidéo. Comme d'habitude, restez curieux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Ciao.